Je pense que vous pouvez y aller. Très bien, monsieur. Je suis sûr que tout va bien se passer. Tenez, même monsieur Raïta... Ah oui, le professeur principal de la TSA. Il a appelé pour confirmer son arrivée demain. Vraiment, ça ira comme sur des roulettes. Très bien. Jeanne, faites donc entrer les surveillants. Monsieur le professeur. Monsieur, s'il vous plaît. Allez-y. Maître, on est en train de se faire doubler. Le cadet n'a pas parti du quatrième niveau. Bon sang, on s'en foirait. Voilà, messieurs, votre matériel. J'allais dire électoral, puisque c'est le cas ici. Les accessoires de l'isoloir, l'urne, les enveloppes et les bulletins. Vous remarquerez que cette année, l'une est transparente. Ça, monsieur, c'est très judicieux. Ces petits-là ne contesteront plus rien. Une seule chose à rajouter, c'est une corbeille pour les bulletins inutilisés. Je vous laisse le soin de gérer ça, n'est-ce pas, monsieur le surveillant général? Sans aucun problème, monsieur. Messieurs, à vous de jouer. L'homme en a dit depuis plus d'un quart d'heure. Et si mes calculs sont bons, ils en sont 10e gogo de la classe. Tenez-vous bien, ils ciblent les matchs transférés. Hey, moi je compte sur toi. S'il te plaît, tu peux signer là. Quelque part. C'était foutu, mec. T'aurais pas dû la plaquer. Si elle peut t'étrangler, ne pense pas qu'elle va se gêner, celle-là. Ouais, sans oublier le plein de soupe qui nous a toujours méprisé. Maintenant qu'il a trouvé un allié. Alors, madame la directrice de campagne, quel est le verdict? Nous avons 20 voix sûres. Ceux-là, je les connais déjà, ils ne pourront pas nous lâcher. Même si les autres font défection, rassurez-vous, nous aurons quand même la majorité absolue. Je n'aurais jamais cru que ça serait aussi facile. Grâce à toi. Mouvant les choses, il faut qu'on se décide. Ou on laisse faire et Polycarpe est battu. Pas question. Il n'est pas question de laisser faire, ok? Surtout pas après la trahison de Cynthia. Alors, qu'est-ce que vous proposez? On le menace. On lui fait peur pour qu'il retire sa candidature. On fait des traites pour le salir. Pas le temps, tu penses bien. Tu oublies que c'est déjà demain. Donc il ne reste qu'une seule solution. En une fois, on règle tout. On l'attend au coin de la rue. Une rue bien sombre. Et là, on le castagne. Croyez-moi, il comprendra le message. Oh. Je crois que j'ai trouvé la solution. Et la vraie. Tu as vu? Il y a du nouveau. Quoi? Là-bas, la blonde ou la rousse là. Celle qui cause avec Amandine. Elle est nouvelle, celle-là. Tiens, je l'ai déjà vue. Ah, le rapide. J'ai déjà ciblé ça. Je l'ai rencontré chez le proviseur. Ah, laisse ça. Hé, hey, qu'est-ce que tu vas t'imaginer, là? Hé, hey, moi, j'ai rien dit.
C'est le timing qui me fait peur. T'es sûr qu'il va y arriver en 30 secondes? Arrête tes jérémiades. Pris, c'est bon. Pas de blême, les mecs. On contrôle. T'es sûr de ton coup? Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu te dégonfles, c'est ça? Ça va, ça va. On se calme, les mecs. Le blême, il est ailleurs. Quoi donc? Regardez dans l'autre rangée. Vous voyez la blondinette? Ouais. On passe à 36 votants au lieu de 35. 35. Bonjour, je m'appelle Edgar Haïta, je suis votre professeur de physique chimie et accessoirement votre professeur principal. Et pour cette année, notre programme... Mais entrez donc, monsieur le surveillant général. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Nous avons toute l'année pour faire connaissance, mais pour l'instant, nous allons sacrifier à une procédure administrative. Très bien. Merci, monsieur Raïta. Bien. Je sors du bureau de monsieur le proviseur, qui m'a chargé de vous transmettre ses salutations et son désir de voir cette élection se passer dans le calme et la discipline. Cette année, l'urne est transparente comme vous l'avez souhaité. Donc, la sincérité du scrutin est garantie. Dans votre classe, vous avez deux candidats en lice, messieurs Tonda Bekale et Polycarp Mbachi. Pour la démonstration, nous allons choisir quelqu'un de neutre, quelqu'un qui n'a pas participé à ce que j'appellerai la campagne. Vous, mademoiselle Zinga, c'est ça? Oui, monsieur. Zinga Ebinda Victor. Victor avec K. Très bien, mademoiselle avec K. Avancez pour la démo.
Très bien, mademoiselle Zinga. Regagnez votre place. Toutefois, vous n'êtes pas obligé de participer à cette élection puisque vous arrivez à peine. Voter, c'est un devoir, monsieur le surveillant général. Je voterai. Manque plus que ça. Monsieur l'assesseur. Une voix de plus ou de moins. On va faire avec. Je propose que les deux candidats eux-mêmes ouvrent le bal. Pour la suite, chacun viendra voter à l'appel de son nom. Monsieur Polycarpe Mbachi, à vous. Dis, tu n'as rien remarqué? Il n'y a rien d'anormal. À part la poubelle, je la trouve un peu disproportionnée. Mais bon, c'est bizarre. Plus je les observe, plus j'ai l'impression qu'il y a un truc. Écoute, mec. Attends. Je ne suis pas fou. Observe bien, Jérémy. Il s'agit drôlement depuis ce matin. Prochain votant, mademoiselle Amandine Oyan. Tu as fait le bon choix. Comment? J'ai même mis le veto, quoi. Super. Voilà, vous deux. Prochain votant, Marc Loury et Boula Armand. Lui est le gros. Il m'inquiète. J'espère qu'il ne va pas se mettre à fouiner partout. Sois zen. Tu vois qu'il t'a attiré l'attention. Arrête. Il faut vraiment qu'il soit sorcier pour deviner l'astuce. Nous allons passer au dernier votant. Brice Ngoulou.
Bien. Mes enfants, c'est l'heure de vérité. Selon la procédure, M. Raïta va effectuer le dépouillement. Un volontaire qui sait écrire au tableau pour noter le décompte. Moi, monsieur. Oui, mademoiselle Nyangé. Vous êtes très courageuse. Merci, monsieur. Il n'y a pas de quoi. Polycarpe Mbachi. Polycarpe Mbachi. Tonda Bekale. C'est quoi ce chahut? Ils n'ont pas de professeur? Mais il y a un vent de contestation qui souffle. C'est la première LE3, ça. Ils contestent quoi encore? Mais il y a un des candidats qui s'est désisté. Une bonne partie de la classe refuse d'aller au vote avec un seul candidat en lice. C'est pas tant ça. Pour peu qu'on leur offre l'occasion de faire dans l'expression démocratique, il faut que ça tourne au désordre. Bon, dites-leur que l'élection est suspendue jusqu'à ce qu'ils se soient mis d'accord entre eux. Mais qu'on ne va pas y passer l'année. Polycarpe Mbachi. Polycarpe Mbachi. Polycarpe Mbachi. Polycarpe Mbachi. Polycarpe Mbachi. On se calme. Ce n'est pas une pétrolière ici. C'est vous-même qui avez voté. Vous acceptez donc les résultats. Et puis, ce n'est pas fini. Moi, le premier qui bouge encore, je lui fous une colle. Silence! On gaspille. Gaspiller quoi? Vos dossiers? Non, mais sans blague. Monsieur Raïta, veuillez continuer. Et encore, Polycarpe. Et le dernier bulletin pour Polycarpe Mbachi. Je sens qu'on se fait avoir. Tu as peut-être raison, mec. Monsieur. Oui. Excusez-moi, monsieur le surveillant général, mais je crois qu'il y a un problème. Mon vote n'apparaît pas du tout. Comment ça? Comme je ne connais aucun des candidats, j'ai voté blanc. Et en regardant bien, cela n'apparaît pas dans le décompte. Il n'y a que 35 votants au lieu de 36. Bande de tricheurs, escrocs! Alors, monsieur Raïta, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense effectivement qu'il y a un problème. J'ai compté 35 bulletins, or en réalité, ils sont 36. Il y a donc une voix manquante. Vous êtes sûr d'avoir bien compté? En effet. Et en pareille circonstance, je propose qu'on recommence. Oh non, ça va. C'est pas la peine. Laissez-moi faire. Mes enfants, c'est vrai qu'il y a une anomalie. Une voix manque dans l'urne. Mais au vu de l'avance considérable de Mbachi, cela ne change rien au résultat.
Il faut accepter le verdict. Nous ne sommes qu'au début d'une année. Faisons en sorte que nous continuions tranquillement notre chemin. Vous êtes ici pour apprendre et prendre le bac pour ceux qui en seront capables. Moi, je suis ici pour faire respecter l'ordre et la discipline. Monsieur le professeur principal, veuillez proclamer l'élection. Merci, monsieur le surveillant général. Mes chers amis, au regard des résultats que nous avons sous nos yeux, je déclare Polycarpe Mbatshi vainqueur du présent scrutin. Et vous, applaudissons le vainqueur. Pour un perdant, vous faites preuve de maturité. Mes félicitations, monsieur Tonga. Bien joué. Merci. Tu es bien parti pour tricher toute ta vie. Casse-toi, Jaloux.